Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. Vous avez kiffé l'intro les gars? Eh ben merci à GabixPlay, c'est lui qui a fait l'intro exprès pour moi. Pour mes 1000 abonnés, je lui avais dit que je la sortirais, bah voilà, je l'ai mis directement en intro dans ma vidéo. Donc merci à toi, t'as géré, franchement, je te dis, l'intro elle est vraiment stylée, j'ai bien aimé. La première fois que tu me l'as montré, j'ai kiffé, donc bien joué à toi, beau montage, la musique et tout, tout va bien avec, donc nickel. Bien ou quoi les gars, c'est Nation? Ça y est, on a enfin atteint les 1000 abonnés, je vous remercie tous pour ça. Donc cette vidéo, elle sera coupée en deux, on va d'abord faire les remerciements et les dédicaces à tout le monde, tous les abos fidèles, même les pas fidèles et tout, je vais essayer de faire à peu près tous ceux qui sont présents depuis plusieurs semaines. Enfin, depuis plus longtemps même. Et la deuxième partie, ce sera les infos sur moi, comment je gère la chaîne et comment je joue, parce qu'on n'arrête pas de me poser les mêmes questions en commentaire, donc je vais y répondre en vidéo, et au moins, après, on me demandera plus en commentaire les mêmes choses, et vous serez fixés. Alors, on va commencer par les remerciements un peu spéciaux. Donc, on va commencer par Warda. Donc, une abonnée qui, je sais, qui est fidèle, qui est tout le temps là, qui regarde toutes mes vidéos, mais qui reste dans l'ombre, on va dire, qui commente pratiquement jamais. Mais elle me l'a dit plusieurs fois par message, elle regarde mes vidéos, elle surveille et elle commente pas, donc elle m'avait prévenu, donc ça fait longtemps qu'elle est abonnée en plus, donc je la remercie, je te remercie, ça fait longtemps que tu me suis depuis que j'étais dans les 200 abos, même pas avant encore, merci à toi Warda. Ensuite, merci à Red Mowgli, donc c'est un youtubeur, je crois qu'il est d'Inde, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est d'Inde, je suis pas sûr. Donc il fait des bonnes vidéos, des compilations GTA, qui font pas mal de vues, parce que voilà, il a pas mal d'abonnés. Et donc merci à Red Mowgli, parce qu'il m'a ajouté dans ses amis, dans ses meilleurs amis YouTube, donc on peut voir ma chaîne dans ses meilleurs amis. Et parfois il m'envoie des messages, on se parle, des fois il commente mes vidéos, donc franchement, ça fait plaisir, merci à lui. Je remercie au passage Nimboy et Red Arcade, deux grosses chaînes YouTube aussi qui ont déjà commenté mes vidéos. Merci à eux, même s'ils sauront jamais que je les ai remerciés. Ensuite, merci à Kevin Zakara, YouTuber GTA aussi, mais il fait pas que du GTA. Il fait aussi du Fallout, du Eurofishing, il fait pas mal de vidéos. Il fait des bonnes vidéos, franchement, c'est du bon contenu. C'est un bon gars, il m'a soutenu depuis un moment aussi. Il m'a même fait de la pub. Donc merci à toi Kevin, t'assures. Ensuite, Nizix. Alors Nizix de la team ESD. Alors merci à toi mec. Je suis désolé, j'ai pas... En fait, Nizix m'avait fait un montage spécial moi. Avec en fait, c'était une compilation de mes wins et de mes stunts. Donc franchement, j'ai vu le montage, il me l'avait envoyé. Il était super, mais j'ai pas pu... Je l'ai téléchargé. En fait, Nizix, si tu vois la vidéo, je l'ai téléchargé. Je t'ai envoyé un commentaire pour te prévenir. Mais t'as pas répondu, alors je pense... Je sais pas si t'as vu ou pas, mais je le redis. Télécharger le montage que tu m'as fait, j'ai essayé de le re-upload derrière et la qualité avait trop baissé. C'était, ouais, on voyait presque plus rien, c'était un peu tout gâché quoi. Du coup j'ai pas pu le remettre, mais si tu le ressors sur ta chaîne, bah je vous conseille à tous d'aller voir le montage. J'espère que tu le mettras en public sur ta chaîne, il était vraiment pas mal. Donc merci à toi Nizix, et aussi merci de m'avoir proposé de rejoindre la team, tout ça. Il fait des super vidéos aussi, Nizix, donc allez voir sa chaîne. Ensuite donc, comme vous avez pu voir, c'est son intro au début. GabixPlay, donc merci à toi mec, déjà pour le montage, merci d'être un abonné aussi fidèle, tout le temps là, toutes mes vidéos. Et, mis à part à l'intro, t'as aussi fait un autre compte YouTube, et qui s'appelle, qui a mon logo, c'est comme une chaîne communautaire Nation, donc merci à toi. Je remercie aussi d'ailleurs Racine Ba, parce qu'il a aussi fait une chaîne communautaire Nation. Je t'enverrai le logo, mon logo si tu veux, Racine, suffit de me demander, je te l'envoie. Donc merci à GabixPlay et à Racineba pour ça. Merci les gars, vous gérez. Ensuite merci à Mehdi. Alors Mehdi, il verra pas la vidéo parce qu'en fait c'est mon deuxième abonné que j'ai eu sur ma chaîne. C'est mon deuxième abonné que j'ai eu, donc vraiment lui, il commentait, si vous remontez à mes toutes premières vidéos, vous verrez qu'il y a des commentaires de Mehdi sur mes vidéos, et c'était le premier gars à commenter mes vidéos, il suivait, il soutenait, donc merci à toi, même si je sais que t'es plus sur YouTube, donc je pense pas que tu commenteras ou que tu répondras, tu verras même pas la vidéo je pense, donc merci à toi quand même, je me souviens de tout le monde. Et ensuite, j'avais dit Mehdi deuxième abonné, parce que mon premier abonné c'est mon petit frère, donc merci à mon petit frère de me suivre depuis le début aussi. De toute façon, toi, tu verras la vidéo. Donc, merci à toi. Et maintenant, pour finir les remerciements, on va enchaîner tous les abos, tous les gavas qui sont là depuis un moment, qui commentent souvent, tout ça. Alors, il n'y a pas d'ordre. Je regarde tous les commentaires, en fait, avec mon application sur mon téléphone. Alors, merci à Dylan Fashfar, Lorenzo Compasso, merci, mec. Je sais que toi, tu commentes pratiquement tout le temps. Bah, tout le temps, en fait, ouais. Toi et Racine Ba, en plus, vous êtes souvent en train de discuter dans les commentaires. Donc,
Merci à Lorenzo Compasso. Merci à Goku Sama, DC 2003, Max Uzo, Moby Ferrossi. Merci à Team Nation. Alors Team Nation, c'est le compte de Gab Xplay, il me semble. Hein. J'espère que je me trompe pas. Donc voilà, merci à Gab en fait. Merci à Fraté Alexandre, Thomas Olivier, Abdallah, le pigeon voyageur, Vador, merci à toi mec, ça fait un moment que t'es dans mes sessions, tu me suis et tout, ça fait un moment. Vador, je le connais bien lui maintenant. Merci à Brick Oliver les gars, un youtubeur qui fait des super montages, des rassemblements en voiture sur GTA, les montages sont juste parfaits, donc allez voir sa chaîne. Merci à Bazooka, merci à Roman Fuji, merci à Toto Gamer, merci à The New Sauron, merci à Gaëtan Reverberry, merci à Philou en plus, t'inquiète, je t'oublie pas toi. Merci à Obruniz, il fait des super vidéos aussi, pareil, allez voir sa chaîne. Des super montages GTA, merci à toi mec. Merci à Mangeur de Chicken. Merci à Cédric Martins, merci à Evox Gaming, merci à Mido Clash, souvent là aussi, pratiquement tout le temps même j'ai envie de dire. Merci à Léo Gourdet, merci à EB17, merci à Aston qui me suit depuis un moment aussi, pareil. Merci à Yohannis Benlarbi, voilà, je te l'avais dit que je t'oublierais pas mec. Merci à Bourgeois Théo, merci à It's Trickies HD, merci à Bugatti Dylan, merci à Dandino évidemment, toi aussi t'as cru que j'allais t'oublier ou quoi? Dandino, c'est un bon lui, c'est ce que j'ai déliré avec lui dans les sessions. Merci à Jaeger Gaming, merci à Florian Pecker, merci à Matox Gaming, Jérémy Aubert, GA Toxic et War59, Super Bagnard, Mad Zombie, Philou Gaming, ZVK Glitcher, Benjamin Meunier ou Mesnier, Super Lançois, Strabano, Hitman, By Technics, Duff Game, Cord Sky, Noali Ayman, Rom, Monsieur Malaise, Elias Hazard, The XR2000, Winner, Fatima Echarar, Red Game PS4, Alpha Gaming, GTZ de Santa, Edge Nico, Le Boss One, Malek RNG, Tom Gaming 77, Monsieur Thomas, Le Juju Guys, Aminata Diallo, Mamadou, MDB14, Black Shadow, Héros de Légende 95, Aim Zelto, Zedrox V2, Alias 11342, Lulu Gamer, Le Boss du Games, KG YouTube, Opsilim, Matt VRN, Denise Yeldirim, Division GTA, Power Killer 19, 93 Empire, Price YouTube, Bessaro, Le Moule Gouche, et voilà, j'ai été jusqu'au bout, mon application elle peut plus aller plus bas, plus loin dans les commentaires. Je suis remonté à quelques semaines, donc ouais, ça doit faire à peu près 3 semaines, je suis remonté à plus de 3 semaines, donc voilà. Bien sûr, j'en oublie beaucoup, je peux pas tout faire, les 1000, mais merci à tous, chacun d'entre vous, ceux qui sont fidèles, ceux qui sont pas fidèles, ceux qui m'insultent aussi, parce que je leur ai dit, ceux qui m'insultent, ça me fait rien, je les remercie plutôt, parce que ça veut dire qu'ils sont passés sur ma chaîne, qu'ils m'ont fait une vue pour venir m'insulter. Merci à ceux qui passent une seule fois, juste pour avoir une information, qui s'abonnent pas ou quoi, hein, c'est pas grave, moi je m'en fous. Tant que j'ai pu aider, je fais plus des vidéos pour aider ou conseiller en fait. Tiens, et merci à Bison encore, parce que c'est grâce à lui que j'arrive à suivre quelques actualités des fois. C'est le youtubeur le plus au courant dans les trucs de GTA, je crois. Enfin, français, on va dire. Donc merci à Bison aussi. Et voilà, j'ai fait le tour là pour les remerciements. Donc maintenant, on va passer aux informations qu'il faut savoir sur moi. Comme ça, vous allez plus vous poser de questions. Et si vous avez d'autres questions après des trucs que j'ai pas parlé, mettez-les en commentaire et je répondrai direct. Alors, quand je joue, mes horaires, on va dire, de jeu, donc de 8h du mat, de 8h du mat jusqu'à au moins 17h le soir, je peux pas jouer. Mais vraiment pas, je suis pas chez moi. Donc en fait, si vous me voyez connecté entre midi et 13h, c'est juste que je suis sur l'application de mon téléphone, l'application Play, pour accepter les invitations, pour accepter les demandes d'amis, parce que j'accepte tout le monde en ami. Donc je suis juste connecté sur mon application, mais je suis pas chez moi. Je suis au travail en fait, donc c'est ma pause. Donc c'est à ce moment-là que je vous accepte, mais je peux pas jouer sinon. Ensuite, sinon après le soir, ouais, je peux jouer. Ça dépend si j'ai le temps après ou pas. Si j'ai pas eu de retard ou quoi, ou à cause du travail ou quoi que ce soit. Sinon, le samedi en général, la journée, je joue pas. Parce que le week-end, je suis pas souvent chez moi. Donc le samedi, la journée, je joue pas. Mais le soir après, tard, pendant la nuit, du samedi à dimanche, là, je suis connecté souvent. Je peux jouer. Donc ça peut être de 2h du mat jusqu'à 10h du mat. Mais après, la journée du dimanche, tout le reste, je suis pas connecté, je peux pas jouer. Et je me reconnecterai pas de toute façon le dimanche. Donc voilà, il y a que la nuit du samedi à dimanche que je peux vraiment jouer. Sauf exception, mais c'est rare. Sinon, bah après, toute la semaine, je joue le soir, quand je peux. Donc voilà pour mes horaires.
Maintenant, vous savez quand je peux jouer. Ensuite, quand vous me voyez connecté, donc il y a l'application, mais il y a aussi des fois, je suis connecté, je suis en train de jouer, mais je suis en session privée. Je suis en session privée, pas parce que je veux pas jouer avec vous, non, c'est juste que je dois. C'est pour soit pour préparer une vidéo, soit que je suis en train de faire une présentation. Et ça, je le fais tout seul en privé. Donc c'est juste pour ça en fait. Et sinon, si vous me voyez connecté, mais que je joue pas ou que vous pouvez pas rejoindre, c'est. Pensez pas que c'est parce que je me mets en hors ligne ou quoi, ou que je veux esquiver. Pas du tout. Moi, quand je joue à GTA, justement, je veux jouer avec un maximum de personnes. Donc c'est les seules raisons, c'est les deux que je viens de vous donner. Donc voilà, il n'y a pas de cachotterie quoi. Ensuite, sur PS4. Donc sur PS4, mes messages et toutes mes notifications sur PS4 sont désactivées. Donc les invitations aux parties, les messages PS4, n'importe quel type d'invitation, je les vois pas. J'ai tout caché parce que, en fait, comme j'en reçois trop, si vous voulez, moi, quand je vais jouer après, ou quand je vais faire une vidéo, n'importe, et ben, je vais avoir toutes les notifications, toutes les 30 secondes en haut à gauche de l'écran, ça va me cacher l'écran. Et ça va me déconcentrer, ça va me cacher une partie de mon écran. Du coup, je vais mal jouer, on va dire. Et comme j'essaye de répondre à tous les commentaires, on va dire, c'est pas trop grave sur PS4 de pas répondre. En plus, quand vous êtes dans ma partie en session, en général, je réponds pratiquement tout le temps sur les messages GTA, les SMS GTA dans la session. Donc voilà, j'essaye de vous parler par commentaire et dans les parties GTA. Mais les messages PS4, je peux pas. J'ai vraiment aucune possibilité de les activer, ça. Sinon, ce serait un truc de fou. Et de toute façon, vous pouvez voir sur mon profil, hein, il suffit de cliquer sur mon profil PS4 et vous verrez que j'ai écrit message PS4 désactivé. Ensuite, pour n'importe quelle information, que ce soit mon PSN, le lien du crew, mon adresse mail, toutes les informations que vous avez besoin, que vous chercherez, seront toujours en description. Donc quand vous voulez savoir un truc sur moi, lisez d'abord la description de la vidéo. Je mets toujours la même description avec toutes les informations. Comme ça vous évitera de poser un commentaire pour me le demander. Au moins, vous avez directement ce que vous cherchez dans la description. Ensuite, mon argent. Alors, l'argent que j'ai sur ce compte. Alors en fait, je vais vous expliquer depuis le début. J'ai deux comptes GTA. J'en ai un qui a été créé dès que GTA est sorti, quoi, le premier jour. Un ancien compte, c'était mon tout premier, donc j'ai joué jusque 2016 avec, donc c'était vraiment mon compte principal. Je faisais pas de vidéo avec, et ce compte-là, il avait pas mal d'argent dessus. Donc lui, on me l'avait donné il y a très longtemps sur PS3. Un ami m'avait donné de l'argent grâce à un mode menu sur PS3, donc ça c'est bien connu sur PS3, des modes menu, il y a que ça quoi, il y a que des cheaters sur PS3 pratiquement. Donc voilà, j'avais beaucoup d'argent grâce à ça. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis créé un nouveau compte, quoi, exprès pour les vidéos. Donc ce compte-là, Nation. Et j'ai cet argent-là grâce à un ami, pareil, le même. Il m'a déposé son argent grâce à un mod sur PS3, mais qu'il m'a déposé... Je l'avais créé d'abord sur PS3, le compte Nation. Il m'a donné l'argent. Ensuite, j'ai attendu au moins un mois. Et un mois après, je l'ai transféré sur PS4 pour éviter tout risque de bannissement ou de détection de triche. Donc j'aime pas tricher, hein. Je déteste ça. L'argent, en fait, j'en avais besoin, je l'ai pris exprès, je l'ai demandé exprès pour pouvoir faire des présentations. Sinon, j'aurais jamais pu vous présenter tous ces véhicules depuis le début de la chaîne, en fait. Donc voilà, l'argent, il sert qu'à ça. Sinon, je fais un maximum d'efforts pour le préserver et pour en regagner en faisant des activités. Donc je suis pas dépensier ou quoi, je m'amuse pas à tout acheter dès que les DLC sortent. J'achète pas tout, j'achète seulement ce qui est intéressant. Et je vous le présente. Donc voilà, l'argent, il vient de là. Donc je reçois à peu près 3-4 commentaires par semaine en commentaire où t'as eu tout cet argent. Donc maintenant, vous savez, je répondrai plus à ce commentaire-là parce que, pas que j'en ai marre, mais je répète toujours la même chose, quoi. C'est fatigant. L'argent, c'est quelqu'un qui me l'a donné il y a longtemps. Donc voilà. Et maintenant, on m'en donne plus. Hein. J'ai pas de compte lobby, j'ai rien. Donc ça, c'est inutile de me le demander. Bien sûr, je fais pas de lobby et j'ai pas de compte lobby aussi à donner. On me demande aussi souvent, au moins 2 fois par semaine, si j'ai un compte lobby à donner. Non, j'ai pas du tout, j'ai rien, j'ai que mon compte là, c'est tout. Et je fais pas de lobby, je fais rien d'autre. Ensuite, les gars, alors je voulais vous remercier aussi pour quelque chose. On va finir sur ça, je pense. Ouais, on va finir sur ça. Donc merci pour ça. C'est la première fois que j'ai découvert ça, hein, quand j'ai reçu la notif. En fait, quand je me connecte maintenant sur GTA Online, et ben je reçois une notification comme quoi j'ai 5% de remise dans tout le jeu. Grâce à vous, c'est parce que vous, les abos et tous les potes, vous avez tous voté positif. Parce qu'en fait, quand on est en ligne dans une partie, on peut cliquer sur le nom d'un joueur dans le menu pause et voter. On peut voter négatif ou positif sur le joueur, et j'ai eu 95% d'avis positifs sur mon compte. Donc grâce à vous avez tous voté positif sur moi, et du coup j'ai 5% de remise sur tous les objets en jeu GTA. Attendez, je vais vérifier ça, si c'est bien tous les objets ou il n'y a pas un truc. Ah, correction,
C'est 5%, ouais, donc comme ce qui est marqué en fait, parce que je vois pas le screen en même temps que je vous parle, donc j'ai été vérifié. Donc c'est 5% de remise dans les magasins. Donc ce sera toutes les boutiques du jeu, ce sera pas les commandes sur internet de véhicules. Pour ça, j'ai le même prix que tout le monde. Ce sera dans les magasins en fait. Ça, c'est grâce à vous, donc je vous remercie pour ça, les gars. Ça fait plaisir. Et je pense que là, j'ai fait le tour. Là, j'ai fait vraiment le tour. Donc voilà, on est 1000 Gava sur la chaîne, c'est un truc de fou. Je pourrais dire je m'y attendais pas, je pourrais dire la phrase classique, je m'y attendais pas quand j'ai créé la chaîne. Mais bon, c'est tellement classique que c'est pourri en fait, donc je vais pas le dire. Juste, merci, ça fait super plaisir. Je vois que les vidéos plaisent quand même, parce que suffit de regarder le ratio de pouces bleus et pouces rouges. J'ai un super ratio de pouces bleus, et des fois il y a 0 pouces rouges sur une vidéo. Ça va faire du 40 pouces bleus pour du 0 pouces rouges, donc ça fait vraiment plaisir. Ça prouve que voilà, ça plaît à la plupart d'entre vous. Je demande jamais d'ailleurs, ça je demanderai jamais. Je demande jamais de vous abonner oralement en début ou en fin de vidéo, où je demande pas de pouce non plus. Ça je le ferai jamais. Ça m'intéresse pas de demander ça. C'est seulement voilà, si ça vous a plu, vous abonnez ou vous mettez un like. C'est vraiment comme vous voulez. Je vous laisserai toujours cette liberté. Même les commentaires, je demanderai pas de commenter. C'est vraiment comme vous voulez. Je demande juste, ouais, dans la outro, je marque voilà, abonne-toi. Mais dans la description, je marque bien abonne-toi si ça t'a plu. Si ça t'a pas plu, t'inquiète, t'abonnes pas. Hein, c'est t'es libre. Donc voilà, ça je vous laisse cette liberté là, parce que j'aime pas trop faire comme les autres, et puis j'aime pas réclamer de toute façon. Donc voilà, ça c'est fait, c'est dit. J'espère que j'ai été clair dans la vidéo, que tout est... vous avez plus de questions, tout est clair pour vous aussi. Et donc moi, bah, j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos aussi longtemps que possible. Tant que je pourrai, j'en ferai. Et d'ailleurs, les gars, je précise, quand Red Dead Redemption 2 sortira, je ferai des vidéos dessus. Parce que c'est un des... je pense que c'est le seul jeu, à part GTA, que je ferai en vidéo sur cette chaîne-là. Parce que Red Dead Redemption, c'est comme du GTA, hein, mais dans un autre style. Et c'est Rockstar aussi. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que je vais y jouer et que je vais faire des vidéos dessus. Donc j'espère que ça va vous intéresser comme mes vidéos GTA. Et voilà, ça c'était la petite info. J'avais déjà dit une fois, mais je le redis dans cette vidéo-là. Cette fois, j'ai vraiment fini. Donc merci encore à tout le monde. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut !